D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un pack opening. Donc un pack opening que j'avais préparé, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo pour ceux qui ont regardé. Du coup, comme vous voyez, la nouvelle carte est sortie. Attendez, on la voit pas là. Non. Donc là, voici... le fameux méga chevalier. Donc il est sorti. Avec ceci, il y a un défi qui est sorti, qui est là. Donc j'ai fait 6 sur 9. J'étais à 3 victoires d'avoir le coffre légendaire. Donc un petit peu déçu, on passe le cacher. Enfin un petit peu déçu mais pas trop, parce que en fait, tout simplement, j'étais à 0 victoire et j'étais à 2 défaites. Donc j'ai fait 6 victoires d'affilée. Regarde un petit peu là. Là, victoire, victoire, victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, j'ai fait 6 victoires d'affilée, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais bon, j'aurais bien aimé avoir eu, enfin avoir fait 9 victoires, pardon, pour avoir un petit coffre légendaire. Du coup là, on a des bons petits coffres, 2 très bons coffres pour avoir cette légendaire, donc j'espère avoir cette légendaire. Donc on va s'ouvrir peut-être le... Ouais, bon, on va faire dans l'ordre, allez. Coffre gratuit, c'est parti, on commence. Je suis chaud, hein. Je suis chaud parce que là, méga chevalier, je l'ai pas, c'est une légendaire en plus, j'ai des bons coffres, donc c'est parti. Donc 94 d'or, une pierre tombale, 12 squelettes. Ok, ensuite, bah, deuxième coffre gratuit, on va partir dessus. Hein. Alors on a quoi comme mort? On a 93 d'or, une méga gargouille, 12 gangs de gobelins. Ok, donc là on va partir sur le coffre argent, en argent, pardon. 86 d'or, un sorcier et 12 géants royaux. Coffre en or ou coffre de défi? Coffre en or, allez. C'est parti, on a 600 d'or, non, 279, 2 chevaliers, 12 flèches, 23 barbares, oh, bientôt niveau 14, non, il n'y a pas niveau 14, et 4 tours à bombe, ça roule, du coup il reste 3 coffres ici, et un petit coffre là, donc on va faire ce coffre là, je peux avoir combien de, ok, d'or, pas d'épique, évidemment, c'est un petit coffre, donc 600 d'or quasiment, 10 gangs de gobelins, 10 chauves-souris et pour finir 3 bombes. Ok, même pas des pics. Bon, je vais sûrement le refaire parce que 9 victoires, je pense qu'on peut l'atteindre facilement, les 9 victoires pour avoir un petit coffre légendaire. Si j'y arrive, je vous fais le pack opening du coffre légendaire dans une vidéo spéciale qui va pas durer longtemps. Mais voilà, je vous le ferai quand même en vidéo. Donc il reste 2 jours. Normalement, je pense que ça le fait. Donc là, il nous reste 3 coffres. J'espère bien sûr la fameuse légendaire, le fameux méga chevalier. Donc là, c'est vrai que ce méga chevalier a mis quand même beaucoup, beaucoup de temps à arriver. Hein. Là, il reste encore 2 cartes. On les avait vues, je crois, avril-mai, on les avait vues. Et ils sont même pas encore sortis. Donc là, le méga chevalier est sorti maintenant. Mais voilà, c'est vrai que c'est hyper long pour les nouvelles cartes. Ça fait un truc bizarre. Afficher le niveau du tournoi. Attendez. Ok. Bref. En fait, ça montre la carte au niveau 3. Je crois que c'est niveau 3, c'est ça. Bon, je sais pas. Bref, du coup, ben on va faire le pack opening. On va faire la suite. Alors, coffre à couronne, c'est parti. Donc, on a 600 d'or presque. 2 gemmes. Ok. 11 gargouilles. 8 cabanes de gobelins. 62 squelettes. Et une épique, je pense. Yes, un petit golem. Ça passe bientôt niveau 6. Il me manque plus que 7. Donc, ça, c'est cool. Donc voilà. Donc d'ailleurs, si j'arrive à avoir le coffre légendaire dans ce défi là, je vais faire une vidéo dessus comme je vous ai dit. Et si j'ai pas les légendaires, si j'ai pas le méga chevalier, je verrai sûrement quelques petits coffres magiques. Quelques-uns. Parce que j'ai un peu de gemmes, il reste 4000 gemmes, donc je vais sûrement en ouvrir un ou deux. Si je n'ai pas les légendaires dans ce coffre légendaire. Donc voilà, ça arrivera prochainement. Si j'arrive à avoir 9 victoires, bah, vous aurez une prochaine vidéo sur ce défi. Donc là, coffre magique, c'est parti. J'espère vraiment la légendaire, ça serait cool. Au moins une légendaire. Après, si c'est méga chevalier, mais c'est encore mieux, on va pas se cacher. Donc c'est parti. On commence. On a 1200 d'or. Bientôt 45 000 d'or. Ça, c'est cool. Il y a 7 cartes. Alors, je crois qu'il me faut 4 épiques pour avoir une légendaire. Pour être sûr. Avant la fin. 12 Tesla. Donc ça, c'est peu de communes. 23 chauves-souris. Oula, je vais trop vite. En fait, j'ai mis le doigt sur l'écran sans l'enlever, du coup ça a défilé. Bref, 36 mortiers. On a eu que des communes.
Donc là, il nous faudrait rares épiques d'affilée, mais ça m'étonnerait honnêtement parce qu'en fait, il nous faudrait 14 rares, je crois. Et 4 épiques. Du coup, c'est chaud. Mais bon, c'est parti. Donc là, on a 9 rares, je crois qu'il n'y a pas assez de rares épiques. Non, dommage. Du coup, il n'y a pas assez de rares, il en fallait une vingtaine. Donc 15 TDE et du feu à gobelin, je crois, c'était juste avant. Et du coup, épique, ben, j'espère. Bon, n'importe. Hein. De toute façon, c'est épique. Hein. Épique, on a 4 bourreaux. Ok, c'est cool. Plutôt cool, ouais. Donc là, le coffre magique. Alors attendez. Par rareté. Par élixir. Moi, je mets par élixir. Non, par rareté, c'est mieux. Comme ça, on a les légendaires à la fin. Bref, du coup. Donc là, attendez, je vais voir juste vite fait. Donc ouais, il nous fallait 24 rares et 4 épiques avant la fin. Donc là, il nous faut combien de 24 épiques et 57 rares. 24 épiques et 57 rares. Donc j'ai compté. Même si je sais que... Même si avant dans la carte, on aura le 1 qui s'illuminera, je préfère compter. Donc 6600 d'or, ça c'est vraiment cool. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu de super coffre magique. Le prochain, je crois que c'est dans 200 coffres. Donc c'est quand même assez loin. Donc 6600 d'or. Ensuite, 6 géants. Donc là, ça fait 6, il nous en faut quand même 140 rares. Hein. Et c'est quand même mal parti, je crois. Je crois que c'est mal parti, mais j'espère pas. 22 rares, gobelins sans vacances. Allez, des rares. Oh, attendez, on a épique. Il nous faut 22 épiques, je crois, ou 24. 3 tornades. Oh! Attendez. Là, on a 9 épiques. Je trouve qu'il nous en faut 20 ou 15, je sais plus. Mais là, vu le nombre d'épiques, il nous faut les communes aussi. Je crois qu'on n'a pas eu de communes depuis le début. Il nous faut des communes. Au moins un petit peu, n'importe, mais un petit peu. Donc là, bientôt, golem niveau 6, c'est intéressant ça. Donc j'espère avec communes rares. Ou ouais, c'est chaud là quand même. Ah c'est chaud parce que je sais pas si j'aurai des légendaires parce que là je crois que j'ai pas assez d'épiques. Du coup il nous faut des épiques, il nous faut des communes et des rares. Il reste 3 cartes. Donc là je suis mal parti. Non, j'aurais bien voulu une légendaire. Allez c'est parti. Commune 566 chevaliers. Ah ça fait beaucoup quand même. D'un coup, boum, ils te mettent ça d'un coup. Donc là ben si c'est une épique, tant mieux. Enfin, ouais, il nous faut rare épique, je crois que j'ai pas eu assez d'épique, donc ouais, il nous faudrait, ben... Bon, on va voir, j'espère vraiment une légendaire. S'il y a une légendaire, alors là, vraiment, c'est le feu, et si c'est méga chevalier, que dire de plus. Donc là, c'est parti, j'espère vraiment, je sais pas si j'ai mal compté ou quoi, ou si j'ai mal vu les nombres d'épiques et de rares qu'il fallait, c'est parti, oh non, ouais, j'ai mal, ouais, ben, je savais. Donc voilà, 100 golems de glace, évidemment il nous manquait des rares, j'en avais une vingtaine juste avant, il nous en fallait 145, du coup ben 120 golems de glace. J'aurais préféré plutôt 120 géants, ça aurait été plutôt cool, j'aurais pu augmenter au niveau suivant, ou en tout cas pas loin. Mais du coup de l'épique, alors j'espère du ballon, une vingtaine d'épiques, c'est très cool. Donc voilà. Donc on va voir les piques ensemble et voilà, dommage, hein, dommage. Donc les piques 15 squelettes géants. Oh là là. Qui utilise encore le squelette géant. Bah du coup, tout simplement, le défi, si j'arrive à faire 9 victoires, bah, je l'ouvrirai en vidéo. Si j'ai pas le méga chevalier, on fera quelques coffres magiques. Donc voilà, petit squelette géant, j'en ai bientôt 100 sur 20. Ok, bon, c'est un coffre quand même pas mal après les super coffres magiques. Honnêtement, je pense que vous n'êtes pas nombreux à l'acheter parce qu'il vaut quand même 50 euros presque. Enfin, en gros, une quarantaine d'euros. Il vaut une quarantaine d'euros. Donc, c'est vrai que c'est relativement cher. 40 euros, c'est ce qu'on peut faire avec. C'est assez incroyable, quoi. Donc, moi, s'il y a des sponsors pardon, qui me contactent pour faire des pack opening, pourquoi pas. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez chaud là de mettre des gemmes dans le jeu si on n'a pas de sponsor. C'est vrai que c'est relativement cher. Bref. Ah, du coup, comme je vous ai dit, les géants, j'en aurais eu 150, là, ça m'aurait fait du bien, hein. Ça aurait fait 500 sur 1000, j'aurais pas dit non. Le ballon, bah, j'aurais eu des ballons, j'aurais dit merci, quoi, 100 sur, j'aurais eu peut-être 20 ballons, 100 sur 200, j'aurais pu le passer largement au niveau 8, enfin, non, pas largement au niveau 8, mais je serais proche du niveau 8. Donc, voilà, et la princesse, bientôt au niveau 4, elle se rapproche, mais bon, pas encore, c'est pas encore ça. Donc voilà pour ce pack opening, petit défi que j'ai raté, mais j'étais quand même pas loin, je pense qu'il y a moyen de le réussir, ça coûte que 10 gemmes, donc autant le faire en illimité. Donc voilà, tout simplement, mais j'espère que ça vous a plu. Je crois que, attendez, j'avais une petite épique augmentée, le golem,
Golem a augmenté au niveau 6 bientôt, donc ça c'est cool, ça coûtera 20 000. Donc je l'augmenterai au niveau 6 dès que je peux, dès que j'ai les moyens. Pour l'instant j'ai 50 000 d'or. Dans une prochaine vidéo on va augmenter quelques cartes. Là je vais économiser 150-200 000 d'or et dans une prochaine vidéo on augmentera les cartes tout simplement. Pour se faire un petit peu d'XP d'une part et puis pour augmenter les cartes hein, parce qu'il y en a pas mal qui sont pas encore au niveau max. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu ce petit pack opening vraiment ben, sympa. En tout cas ça fait plaisir, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. A ciao.